Même si j'ai des problèmes, je sais que c'est le temps, ça va passer. Ça nous allait adorateur. Il y a sur le mal, mais il m'a dit non, adorateur, c'est un gars. Tant que tu as dit, oui, il y a des choses, et ça va. Ma canicité, ok, ma inspiration. Voilà, tant que je suis en on va rentrer. Yes, professionnalisé. Wow, parce que je suis en position de ma place la qui gagne. Adoration, ma casse. Oh, je tiens qui joue pour la mission la plus. Ouais, dans la tête, mon cesse. Ah, mon cesse. Mon cesse.
comme j'étais infirme, ça me fit mal. Je devais même juger Dieu que pourquoi moi je suis comme ça. Je devais même dire ça à Dieu. C'est pour cela, dans notre premier album, Malobagnos. Malobagnoso, et ça y a pour nous matin. Yango mosusu, to bombeli Yesu. Yango mosusu, to bombeli Yesu. J'aime cette prière. Wow. Mon Jésus, je suis l'homme que Dieu a créé à ton image. Et j'imagine que moi, c'est comme un projecteur qui tourne à l'arrière dans ma vie. La vie des prières à moi, c'était pour avoir la position de mes ennemis, pour me donner une bonne position, d'avoir la solution dans mes prières. Le monde évolue à double vitesse. Vous allez vivre ça le jour où on va vous présenter. Ici, c'est là où se trouve notre direction provinciale. Mais nous sommes sur quatre coins de la vie. Wow. Vous serez surpris un jour là où je vais tourner avec vous d'autres émissions sur notre paroisse qui se trouve en vie. On va présenter toutes nos paroisses avec les pasteurs. Nous avons tous les documents. Ce n'est pas le groupe de prière, c'est la communauté. Wow, c'est le coup. Là où il y a les gens responsables. Wow. C'est les hommes de Dieu. Il y a les professeurs, il y a les docteurs, il y a les ingénieurs. Une communauté bien préparée. Yes. Concert Youth, c'est une picaka. Massal Youth, vous êtes témoin chaque fois. Exactement. Il faut pas qu'à plein. Voilà. Alors, ça veut dire que nous avons un concert, en fait. Nous avons un album qui est venu à Sansa. On a deux chats. Personnellement, on a combien de titres? 7. Sinon, il y a pas béni déjà. Wow. Oui, parce qu'il y a de cela 3 mois qu'on a lancé ça sur les réseaux sociaux. Ça bénit déjà tout le monde. Tous les enfants de Dieu sont bénis avec Dieu. Yes. Et il y a également, il y a Tata, il y a Amitengenda. Donc, ce sont des très bonnes chansons. Oui. Alors, prophète. Pourquoi est-ce que vous gardez l'originalité de la musique africaine? Parce qu'avec l'évolution de la technologie, nous sommes en train de voir beaucoup de musiciens chanter des rythmes différents, par exemple l'R&B, l'afropop. Alors moi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que le prophète David Ngoï garde toujours le rythme congolais? Le fait, c'est que Dieu me recommande de faire dans nos albums. Il n'y a pas toujours le même rythme. Prenez le temps d'écouter toutes nos chansons. Peut-être que vous allez me donner raison.
pas le même rythme comme vous venez de le dire, mais moi ma question est celle de savoir, quand on entend le prophète David Ngoï, nous sentons que c'est un vrai Congolais qui est en train de chanter, c'est un vrai Africain, comparativement aux autres artistes musiciens, voilà un peu ça. Non, par exemple l'anglais, et partout, français, les paroles prophétiques, les adorations là. La nôtre est dont là, je vais le dire quoi, sur notre grâce spirituelle, il y a les dons distributeurs pour répondre à toute catégorie de fidèles. On a des fidèles qui sont aux États-Unis, partout là. Mais j'étais étonné un jour, je discute avec un blanc, il me dit, bon, mon fils ici, il est en train d'écouter votre chanson, Boulou Damouyan, mais lui, il parle seulement l'anglais. Le Saint-Esprit impose, s'il y a la présence du Saint-Esprit, ça va vous imposer. Il y a d'autres chansons comme Ekouémé, mais on était tous touchés. Parce qu'il y a, il y avait quoi? La présence de Dieu, le Saint-Esprit. Parce qu'on dit, Dieu c'est un esprit, servait à qui il veut. Nous on fait notre travail, mais le facilitateur, il va nous faciliter à toucher toute catégorie des gens. Une autre question, prophète. Ma question est celle de savoir, aujourd'hui nous voyons les artistes devenir pasteurs, ce qui n'est pas votre cas. Vous avez été au début un prophète et par la suite, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, vous êtes maintenant artiste musicien. On aimerait savoir c'est quoi, qu'est-ce qui pousse aux autres artistes de devenir pasteur et qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à devenir musicien au moment où vous étiez homme des dieux, prophète. Vous le savez que vous, tant que chroniqueur, il y a des fois j'étais sur votre plateau, vous m'avez bien accueilli. J'avais même expliqué de cela. Dans notre pays, il y a problème de travail. Si quelqu'un manque à faire, il trouve la facilité d'aller faire un groupe de prière pour avoir ce qu'on appelle en lingala les mabonza. Les jours où le notre Congo, Dieu va exaucer nos prières, Dieu va nous donner la facilité de travailler. Vous allez nous compter. J'ai dit bien, vous allez nous compter, vous allez savoir où est les hommes de Dieu. Deux fois, vérifiez bien, celle-là qui s'appelait, celle-là qui s'appelle pasteur ou prophète, forcé. Il faut aller vérifier à la source. Est-ce que c'est les non-prophètes ou bien il y a les œuvres? Moi, je suis prophète, je n'ai pas à discuter. Je ne suis pas à discuter. Je ne suis pas à discuter. Je ne suis pas à discuter. Ok. Et c'est là que je suis là pour bien balancer les questions. Mais c'est ça. Abigail,
Come on, Lord.
watumishi wengi wananisaidia. Wananisaidia kama roho ya Bwana inatuambia tufanye hivi. Kwa lakini kwa hao watumishi wengi wanasikia. Wengi wananisaidia. Na huku sikuwake naimba peke yao, kuna watumishi wengine tena wanakuwaka mpaka nanisaidia. Ndio peke yao upige muziki, utoe nyimbo, itakuwa tatizo tu. Wananisaidia. Roho Mtakatifu inakuja, inatusaidia, nawaambia cha kufanya. Na wao wananisikia. Tunaendelea, tunapata jibu. Kwa kusikia, wao wananisikia. Wale wasipokusikia, ni bala bala na sisi. Ile ma diplome ndio. Oui oui. Ah, c'est un cours de l'œuvre de Dieu. Vraiment? Là, c'est pour nous encourager. Wow. On reçoit ça avec amour. Vous êtes aussi ambassadeur de la paix. Ah oui. Gloire au Seigneur. Ah oui. Voilà. Alors, souvent, vous, quand vous faites sortir un nouvel album, il y a généralement de grands concerts que vous organisez. Cette fois-ci, à un moment, je pense, dans les émissions précédentes, vous nous aviez parlé qu'il y aura un jour. Vous allez affronter le stade. Est-ce que cette vision est toujours là ou bien vous avez peur? Préparation. Waouh! Je vais affronter. Vous êtes témoin. Yes. Dans mon conseil. Je pensais que votre courage était même acclamé parce que waouh! Ça c'est votre promotion au stade. Vous assistez partout. Ouais. Vous avez nos instructions, nos informations. Exactement. Nous allons affronter ce stade-là. Wow. On se prépare pour mettre toutes les choses en marche pour que ça ne devienne pas des choses brutes. Exactement. C'est bien préparé. Là, je vais me présenter avec tous mes deux casquettes. Wow. Mon premier casquette, tant que prophète, ce n'est pas dû en 2000 ans, c'est là où j'ai commencé le ministre. Le ministre. Ok. J'étais avec mon père spirituel. C'est lui qui m'a encadré. Il m'a donné maintenant la permission d'aller faire l'œuvre de Dieu. Je me suis retrouvé représentant par le programme spirituel. Souvent, j'appelle le Saint-Esprit notre facilitateur. Wow. Mais mon père était d'accord. Mon père spirituel, il les aime bien. Le jour de notre inauguration, de notre église mère, parce que nous y arrivons presque à la fin, si wow. Dieu le veut. Le jour de notre inauguration, mon père spirituel sera là pour se présenter. Wow. Donc, celui que le prophète David a tombé par Caïn, dit ça, mais c'est le. Et voilà, papa, qui est au Akiro. Oui, oui. Parce que là, tu m'as dit, tu m'as dit, alors, d'abord, parce qu'il nous reste quelques minutes, moi, je suis juste là, je suis là, ah 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 ah, sululu tu, wala reggae, akiro bakati. Merci beaucoup parce que vous êtes déjà debout. Alors, en fait, on va se tenir debout. Je pense que ça sera déjà l'émission, la fin de l'émission, mais avant que nous puissions clôturer l'émission avec le reggae, puis on va prendre la louange. Alors, prophète, quel est le message que tous les téléspectateurs peuvent déjà retenir de ce nouvel album et puis de vos serviteurs que vous venez de présenter pour la toute première fois dans une émission télévisée? J'ai dit par rapport à l'œuvre de Dieu que j'ai fait, je ne peux pas abandonner. Yes. Mon ministère tant qu'artiste et musicien. Hein? Je vais chanter jusqu'à. Hein? Jusque là, jusqu'au. Bakamouish, mes chers. Yes. Je ferai de tout parce que ma vie est comique. J'ai dit au peuple de Dieu que je ne peux pas abandonner
mon deuxième casquette. Waouh. Je vais chanter juste. La deuxième casquette là, c'est pour le chant. La première casquette, il est prophète, serviteur de Dieu. Deuxième, c'est qu'il est chanteur. Je suis représentant de cette communauté, assemblée des enfants de Jésus-Christ. It's good, ok. Yeah. C'est ça. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous. À toutes les chaînes partenaires, c'était mon serviteur, évidemment, le prophète David Mboy, connu sur le nom de Mouluna Mouyambe, avec son bel album Ikiaba. En tout cas, nous vous conseillons de consommer cela. C'est déjà sur la plateforme de téléchargement, également sur le channel radio télévision de Lubumbashi, de Kinshasa et partout ailleurs. Le prophète, il est international. Vous venez d'ailleurs de voir comment est-ce qu'il a été honoré par certaines ONG quant à ce qu'il est en train de faire. Merci beaucoup à tous les hommes de Dieu. Est-ce que pasteur, nous pouvons nous tenir debout parce que nous voulons danser. On va commencer avec du reggae et puis on va finir avec la rumba. Merci alors, déjà dès longtemps, on avait dit merci à Mongaza, merci à Nyota, merci également à Héritage, merci à Dynamique Télévision, merci à Ozana et tout le monde, merci d'être là. Et nous voulons laisser ces bons moments pour la louange du Seigneur. Yes. Très bien.